Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens avec une vidéo pour ton homme ou toi homme, pour ta femme ou ta copine ou je sais pas, si, en couple, si vous êtes en couple et si par exemple il y a une tromperie, c'est-à-dire ton homme te trompe ou toi homme, ta femme te trompe, il y a une chose à faire, simple et rapide, ça va pas vous prendre du temps. D'accord ? Juste faites-le quand vous êtes seul. Par contre, ça c'est pour séparer ton homme de sa maîtresse. Et toi, homme, tu sépares ta femme de son amant. D'accord ? Que vous soyez marié ou copain, copine, peu importe. Par contre, s'il vous plaît, arrêtez, quand je fais une vidéo, arrêtez de me dire « Ah oui, mais moi j'ai pas ça, est-ce que je peux remplacer ça ?» Si je vous le dis pas, pourquoi vous voulez faire à votre manière ? Je comprends pas pourquoi. Moi, je dis ça et vous me dites « Ah oui, mais moi, j'ai pas ça. » Ou « Je trouve pas ça. Est-ce que je peux utiliser ça ?» Non, je le dis pas. Pourquoi vous voulez faire le contraire? Je comprends pas. Vous n'avez pas, vous pouvez pas le faire. Alors, pour ça, il vous faut des photos. Alors, pour vous dire si vous n'avez pas la photo, alors moi, je vous garantis rien. Essayez le prénom. D'accord? Mais pas le nom. Il faut pas le nom de famille. Non. Parce que le nom de famille, ça fonctionne pour quelques magies blanches, mais pas toute la magie blanche, ou pour quelques talismans, mais pas tous les talismans. D'accord? Attention, c'est si vous ne connaissez pas le prénom de la personne, d'accord, qui vous pique votre femme ou votre homme, essayez, mais je ne vous garantis rien. Vous dites « fille de Ève » ou « fils de Ève », mais je ne vous garantis rien, je ne vous dis pas 100%. Mais absolument avoir la photo de la personne. Alors, il vous faut absolument deux photos. Le photo, par exemple, toi, femme, de ton homme, ou toi, homme, la photo de son amant. La photo à la femme de ton homme et la photo de sa maîtresse. Et toi, homme, la photo de ta femme et la photo de ton amant. Si t'as pas, si tu me dis que tu n'as pas de photo, des fois, vous voulez changer et faire comme vous vous chantez. Alors, c'est-à-dire que vous savez faire la magie. Donc, vous l'avez essayé, ça a fonctionné. Alors, pourquoi venir m'embêter, me perdre du temps dans les commentaires? Quand je dis ça, je n'ai pas dit ça. Et quand vous n'avez pas un truc que vous n'arrivez pas à le trouver, vous ne pouvez pas le faire. Parce que je ne vous le dis pas. Si je vous le dis, oui, vous pouvez le faire dans la vidéo, d'accord? Vous pouvez le faire. Mais si je ne le dis pas, pourquoi aller changer quelque chose, d'accord, que je n'ai pas dit, d'accord? Une de mes abonnées, je ne sais pas si elle est abonnée, mais elle m'a dit qu'elle ne trouve pas quelque chose, mais elle peut le remplacer. Excuse-moi, la cannelle, elle ne marche pas. La cannelle, ce n'est pas à tous les coups. Non, il y a la magie blanche qui ne fonctionne pas avec la cannelle. Pourquoi la cannelle? Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux faire comme Mitchell? Je ne suis pas comme certaines personnes qui vous racontent des bobards. Alors, il te faut un grand miroir, par contre. Il vous faut un grand miroir. Alors, le mieux, c'est avoir des photos entières. Si tu n'as pas, tu prends des photos d'identité, mais ce n'est pas grave. Si tu me dis il est assis dans un bureau, ou il est fait ça, ou il est ça, essaye. Fais. Mais des photos sans lunettes de soleil. Si les lunettes de vue, oui. Les lentilles, oui. Mais lunettes de soleil, évitez. Si vous ne trouvez pas les photos entières, essayez. Ça ne coûte rien de le faire. Pas d'essayer, mais de le faire. D'accord? Essayez avec les photos d'identité. Mais le mieux, je dis. D'accord? Ne perdez pas mon temps pour me dire « Ouais, mais moi, je n'ai pas trouvé ça. Est-ce que je peux remplacer ça ?» Non. Les personnes aussi qui viennent me faire chier, excusez-moi, qui me disent « Ouais, mais est-ce qu'il y a un retour ? Est-ce qu'il y a un retour ? Mais je comprends pas, je fais un truc. Pourquoi ? Moi, je suis là pour vous tuer. » Mais ne le faites pas. Pourquoi vous me perdez mon temps ? Donc, vous allez prendre la photo, la personne, d'accord ? Absolument un stylo noir ou un feutre noir. Feutre noir ou stylo. Mais le mieux, le feutre. Sur la photo même, pas sur le dos, sur la photo, tu marques, t'écris le prénom de la personne, par exemple, et le prénom à sa mère. Comme ça. Comme ça. Tu marques séparation, trahison,
éloignement. Pareil, la photo de ton homme, son prénom, prénom à sa mère, ou ton copain, ou ton mari, trahison, séparation, éloignement. D'accord ? Détesté, détestable, non, je ne sais pas si ça te dit de... Vous pouvez l'écrire, mais... Ouais, voilà. En fait, quelque chose qui, pour, qui se déteste. D'accord ? Alors, on va prendre un grand miroir, mais obligé, pas un petit miroir, un grand. Je vous explique. Si vous avez des petites photos d'identité, bah, pas besoin, une photo, un petit miroir, parce qu'il faut poser les photos sur le miroir. Vous allez écrire, pareil, le prénom et de la personne et le prénom à sa mère. Et là, séparation, trahison, éloignement. Et tu vas prendre l'huile de cade. Mettez des gants, hein. Moi, je vous conseille de mettre des gants parce que l'huile de cade s'attache. Et tu le mets. Tu mets trahison, séparation, éloignement. En fait, pour les séparer. Ensuite, tu vas prendre les photos sur le... Mais soyez généreux en l'huile de cade. Alors, l'huile de cade, foncé ou léger, moi, je préfère le foncé. Et tu vas badigeonner sur l'écriture, même si l'écriture s'efface sur le miroir, il n'y a aucun souci, pendant que tu mets. Et tu mets l'huile de cade partout, mais remplir. Tu prends la photo de ton homme, toi, homme, tu prends la photo de ta femme, tu la tournes et tu la mets comme ça. Mais c'est pour ça qu'il vous faut un grand miroir. Et tu la poses, il faut que la photo soit posée bien sur le miroir, il ne faut pas qu'elle dépasse. Lui, tu le mets comme ça. Elle, tu vas la prendre. Elle est comme ça, tu vas la prendre et tu la mets à l'envers, la tête en bas. Lui, la tête en haut et tu vas poser. Exemple, hein, moi, c'est un petit miroir parce que j'ai cassé mon grand miroir. Et tu vas les poser. Tête à l'envers. Ou ton homme, tête à l'envers. Et il faut... Et attention, ça va faire mardi soir quand c'est mercredi le lendemain. C'est-à-dire minuit, c'est mercredi. Et là, tu vas le faire à minuit, minuit et quart. C'est bon. Minuit, on est minuit. C'est minuit, on est mercredi. Et tu peux commencer à minuit ou minuit et quart ou minuit et demi. Et tu vas l'étoiler. Sous les étoiles, mais attention, il ne faut pas laisser ça dedans ta maison. Si tu n'as pas de balcon, tu n'as pas de terrasse, moi, je te conseille, non, ne le fais pas, ne laisse pas ça dedans. Il faut absolument un balcon ou une terrasse. Voilà, c'est comme ça. Vous n'allez pas me dire, moi, je n'ai pas de balcon, comment je fais? Tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas. Il faut absolument qu'il soit en dehors de ta maison. Et tu laisses toute une nuit, à 4 heures du matin, sous les étoiles. Il ne faut pas qu'il pleut ce jour-là. Il ne faut pas que le ciel soit nuageux. Il faut qu'il y ait le soleil. Il faut qu'il y ait un ciel avec des étoiles. Parce qu'une personne, elle m'a dit, c'est quoi une nuit étoilée? Une nuit étoilée, si tu sais pas c'est quoi une nuit avec les étoiles, là c'est grave. Une nuit étoilée, c'est une nuit où il y a des étoiles, c'est clair. Il y a une personne qui m'a posé cette question, j'ai même pas répondu, je crois. Je crois pas que j'ai répondu parce que j'ai trouvé ça un peu... C'est quoi une nuit étoilée? Alors, tu sais pas c'est quoi une nuit étoilée? Moi j'ai étudié en Algérie, hein. J'ai pas étudié ici, et je sais c'est quoi une nuit étoilée. En français en plus. Donc, 4 heures du matin... Avant le lever du soleil, il faut que tu rentres le miroir. Et tu le mets dans un endroit sombre. Il ne faut pas qu'il touche, il ne faut pas lumière. Ou tu mets un sac en plastique noir, sac poubelle. Parce que j'en suis sûre, vous allez me dire, ah oui, mais où je peux trouver un sac noir, sac poubelle. Et le matin, attention, ne dépassez pas 11h30. Le matin, tu l'emmènes dans un endroit sale, poubelle, exemple. Et tu vas casser le miroir. Plac! Tu vas casser le miroir, mais dans un endroit sale. Ou, tu... Voilà, dans un endroit, casser le miroir, d'accord? Dans la poubelle, et n'en parlons plus. Les photos sont là, dans la poubelle, ils vont la brûler et n'en parlons plus. D'accord? Les photos, tu vas les prendre et tu vas les déchirer, petits morceaux, tu vas les jeter dans la poubelle et tu rentres chez toi.
tu rentres normal. Tu rentres normal. Si tu veux, par exemple, ne pas prendre le même chemin, tu peux, mais ça, c'est pas pour toi, c'est pour séparer le couple. Le mec, l'homme qui pique la femme à quelqu'un, ou la ou la femme qui pique l'homme aussi de la femme. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.